Et nous voilà de retour. Bienvenue dans le quartier Saint-Michel. Merci sur le deuxième épisode de Remember Me. Pas de guide prévu? Désolé, j'ai des affaires familiales à régler à mon côté. Ta première cible s'appelle Kaori Sheridan. J'ai besoin de codes confidentiels cachés dans sa mémoire. Qui est-ce? La plus célèbre architecte de Néo-Paris. Elle en tête tous les moindres détails de chaque bâtiment qu'elle a conçu. Je la trouve comment? Ton contact s'appelle Bad Request. Il t'attend au dernier étage de la rotonde Saint-Michel. Pour rappel, il y a le gars qui était une sorte de tueuse à gages. Et on a corrompu son souvenir pour qu'elle soit de notre côté. Là, actuellement, on doit trouver un mec qui s'appelle Bad Request. Et on est au quartier Saint-Michel. Avec ses boulangeries. Faites pas attention à moi. À la bonne soupe. €5 un pain au chocolat, ça a augmenté, putain. J'aime bien le logo euro en tout cas. Facile. Premier baiser romantique, numéro 17. Achat confirmé. Veuillez ne pas bouger pendant l'implantation d'hémorroïdes. Chargement terminé. Wow. Regarde-les, ces privilégiés, barricadés derrière leur petit confort, quand d'autres manquent de tout, à quelques mètres d'eux. Tout le monde ne peut pas naître du bon côté de la barrière. Ce n'est pas leur égoïsme que je condamne, Frangine. C'est leur acharnement à oublier tout ce qui les dérange. Robotique, ok. Je regarde, hein, j'en profite un peu. Ma chérie, si tu penses encore rentrer dans ce morceau de tissu, il faut faire réviser ton sensei. Tu dis quoi déjà? Le nom de la jolie poupée qui a dansé avec toi. Tu n'as pas assez de garder la soirée. Citoyens, en vertu de la charte sanitaire et au Paris, l'accès aux rues des quais vous est interdit. Insupportable, non, insupportable. Je suis en retard. Merde. Mon Dieu, je suis vraiment désolée, hey, madame. Vous allez bien? Est-ce que je dois appeler les secours? Non, non, je vais bien, je vais bien. Si vous souhaitez porter plainte, mon identification a été fournie à votre terminal sensei. Bonne journée. Oh, enfin! Ça fait 20 minutes que j'attends! Justement, j'avais peur en fait de trop avancer, de ne pas savoir si je vais arrêter des trucs. Donc je regarde un petit peu avant de partir dans cette direction. Oh putain, ils ont fermé juste derrière. Alors je me suis fait avoir. Ok. Enfin, je sais pas si je me suis fait avoir, si j'ai oublié quelque chose. C'est en direct et c'est sur Channel Fear. Est-ce bien votre adresse, madame? Oui. Oui, je crois. Merci. À votre service. Si vous êtes sujet aux pertes mémorielles, ne sortez plus sans activer votre aug-balise. Attends, on dirait qu'on en a une autre, là. Mademoiselle, tout va bien? Vous avez l'air perdu. C'est elle, la chasseuse de souvenirs en fuite. Ah. Ici patrouille 17. Suspect en fuite repéré. Intervention en cours. Lorsque vous voyez un signal d'attaque, appuyez sur espace pour
C'était par-dessus une... Oui, mais je sais. Exécutez suffisamment de pressènes de puissance contre les enfonceurs et vous déclencherez des coups de grâce. D'accord, des overloads. Okay. J'ai des nouveaux combos. Hop, on va aller voir ça. Et ben, on va pouvoir mettre le coup de pied. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs qui font mal en haut ? Excellent, tu retrouves tes réflexes. C'était qui? Les uniformes? La Force Sabre, police privée financée par Memorize, le bras de la loi avec le sourire. Avant quand même, si j'ai pas oublié des trucs. Rien du tout. Il y a de la vie. Je fais toute ma vie, ok. Sensen Fury, le souvenir d'un Presen spécial, Espresen est revenu à Nilin. La Sensen Fury permet à Nilin de révolter d'un ennemi à l'autre en leur assénant des coups de plus en plus puissants. Interrompez pas l'enchaînement. Appuyez sur A et maintenez-le appuyé pour ouvrir. Hop. Fury Nilin n'utilise pas ses combos, appuyez sur le bouton souris gauche ou souris droit de façon répétée. Ok. Le nombre affiché sur l'école furée et son temps de recharge. Ouais, c'est bon.
Ok. Une nouvelle classe de Pressane est disponible. Appuie sur Tab. Ok. Ok. C'est quoi? Les Pressane de recharge permettant à Néline de réduire le temps de recharge. Ok. Point pied, point pied. Cette fuite. Je suis bloqué. Change. Il ressemble à quoi ce Bad Request? Jeune, nerveux, mal coiffé, chasseur de souvenirs débutant et fidèle à la cause. Oh, et il est ton plus grand fan. Il y avait un mec qui était là, il est parti? Je me suis pris un congé. Okay, c'était pas là qu'il fallait. C'était pas là que je devais aller. À la rotonde et la force sabre a perdu ta trace. Bien joué. Climatiques ne sont pas des citoyens de seconde classe. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas? C'est mon emoji. Martial. Martial Minou. C'est professeur Letton, écoutez le mec. J'ai dit de faire attention avec les cafés mémoriels. Cette mentalité.
Charlie et ses grands projets. Sa promesse d'utopie a surtout causé des drames à répétition. Cette saloperie de réseau Sensen était sa grande œuvre. Et regarde le résultat moisi. C'est lui le patron de Memorize ? Non, lui c'est le génie créateur, la star capricieuse qui fait mumuse dans sa tour d'ivoire. Memorize est dirigé par sa femme, Cilla Cartier-Wells. Un nom, deux têtes, mille raisons de s'inquiéter. Mnemopolis, un futur radieux imaginé pour tous par Charles Cartier-Wells. Souvenez-vous, vive la commune. Bad Request. Néline, la chasseuse, je suis ton plus grand fan. Merci. J'ai déjà repéré le parcours. C'est pas la première fois que je vais faire mon marché chez les Richards. Je cherche le bureau de l'architecte. Tout est ici. Il y a une heure, j'ai mémorisé le trajet idéal pour éviter les drones de surveillance. Il te suffit de me le prendre. C'est un grand honneur de me faire ouvrir par la meilleure. Ce sera une sorte de dédicace. Eh ben, on va doubler ton souvenir. C'est bon ? Est-ce que t'as tout pris ? Oui. Marche dans mon passé. Une piste des rémanescences pour te faufiler à ton tour entre les drones qui protègent la conforteresse jusqu'à Kaori Sheridan. Écoute, j'ai parsemé le trajet de balises mémo-localisées. Elles t'indiqueront quand activer mes rémanescences. Et merci de pas m'avoir siphonné la tête. À un moment, j'ai cru que t'allais me faire oublier notre rencontre. On s'oublie pas. C'est mon plus grand fan. Ok. Salut Nina. Donc, on devrait avoir des rendez-vous de la séance ici. On s'est parlé il y a quelques minutes et tu disposes maintenant de ma rémanescence. En répétant ce que j'ai fait, tu pourras te frayer un chemin jusqu'à ta cible. T'es prête ? Allez, je commence. Ton terminal Sensen va projeter mes souvenirs dans l'espace autour de toi. En te servant de ton gant, tu pourras synchroniser leur affichage pour révéler des détails cachés. Voilà, je te laisse synchroniser. On se retrouve de l'autre côté. Image gauche et synchronisée. La jauge bleue et la jauge de focus. Ouais. Oui. Parce que j'ai cru comprendre. Attention, site en construction. Ouais, c'est là-bas. Ok. Une rémanescence. Prêt pour ce petit jeu de piste ? Un truc, j'ai oublié d'avoir quelque chose. Non, sang, cette
l'échelle était bouffée par la rouille. Ok. Hey, je suis de retour. Prêt pour ce petit jet de piste? Pour ceux qui ont écouté Layton et surtout le dernier épisode de Layton Destin, les musiques, ça doit vous dire quelque quand chose. Quand tu croiseras des drones, fais bien gaffe. Ils tirent sans poser de questions. Tu vois le genre? Tant que tu n'entres pas dans leur cône de détection, tu n'as rien à craindre. La difficulté, c'est de les repérer. Je me suis bricolé un scanner pour les matérialiser sur mon Sensen. Donc, à chaque fois que tu activeras mes rémanescences, tu pourras les visualiser. Et un petit saut pour finir. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Ah. Nous aussi, c'est pas exactement ce qu'on voulait faire. C'est la compile de mes meilleures arrestations en version intégrale. Avec Christmas Murder, rappelez-vous du meilleur de Christmas. Ce Kid Christmas, je le connaissais. C'est un chasseur de souvenirs comme moi. C'était. C'est la honte de ta profession. Il avait de l'avenir, mais il a préféré vendre son âme pour du fric. D'accord, beaucoup trop vite. On me fait peur. Il y a peut-être quelque chose derrière en fait. Non, il y a rien. Ouais. Ok. Je dois vraiment encore grimper longtemps ? Kaori Sheridan adore contempler ses créations depuis son balcon. Continue de suivre les rémanescences de Padre Questa.
J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Ah, c'est con. Je dois vraiment encore grimper longtemps? Kaori et Sheridan adorent contempler ses créations depuis son balcon. Je dois encore continuer. Continue de suivre les rémanescences de Patrick West. Des drones de scanner à travers une cloison. De cette femme. Mademoiselle Sheridan dirige le projet Phoenix, la rénovation globale de Néo-Paris. Je veux connaître les secrets du barrage Saint-Michel. Le barrage qui domine le quartier? Pourquoi? Disons que je suis pour une libre circulation des biens et des personnes. Cessez de trembler, citoyens! Hop, on a un nouveau combo, voyons voir ça. Celui-là, c'est ok. Ouais. Entrée. Ah, ok. Donc ça fait point, pied, point. Votre champion est dans le... Ces mesures. Où étais-je déjà? Le barrage? Non, le barrage. C'est étrange. Vraiment étrange. Transmets-les-moi. Edge, ta connexion s'épuise. Quelqu'un brouille notre communication. Essaye d'aller plus haut. Vite, essaye de trouver une autre fréquence.
Faut que je monte. Non. La tour Eiffel. D'accord, on a construit encore plus haut que la tour Eiffel. Ouf. Ok. C'est sur toi. Oh, c'est Notre-Dame. Nilin, tu me reçois? Nilin, Edge, tu me reçois? J'ai réussi à contourner le brouillage du Kid. Envoie-moi vite les codes. Ok, je transmets. Parfait. Il ne reste plus qu'à pirater l'unité centrale du barrage Saint-Michel. La main dans le sac. Vous autres terroristes, ne doutez de rien. Nilin, après tant d'années, tu choisis encore le mauvais camp. Est-ce qu'on se connaît? Tu étais l'une des meilleures chasseuses de souvenirs, ma grande. Voire la meilleure. Mais tu as choisi la mauvaise voie, et regarde où ça t'a mené. Criminel, traqué. La tête pleine de trous. La police. C'est celui qu'on a eu à l'été. Tu gaspilles ouais. Toujours autant de salive? Ou c'est seulement quand tu passes à la télé? Toujours aussi grande gueule. Je vais me faire un plaisir de te la rectifier. C'est l'heure du Christmas Show! X-Mas, mais c'est fugitive minimum. Donc les petits deux bombes. Ok. Oh!
Bien joué, ma grande. T'as tenu jusqu'à la dernière partie du spectacle. Tais-toi, Icon. Excellente proposition. Place 1. La mort subie. Ok. Oh, oh, je sais pas ce que c'est. Ok, je sais pas. Hey, tu pourrais faire un effort. C'est des mines en fait, elles explosent quand je suis dedans. Un QTE super. Kid, après toutes ces années, tu persistes à choisir le mauvais camp. Non, pas ici. Pas devant mes fans. Non, attends. On peut discuter. Je peux te donner la... Donc apparemment j'ai pris son pouvoir. Nilin, grâce au code que tu m'as envoyé, la contre-attaque erroriste débutera dans quelques minutes. Profite de la confusion pour rejoindre discrètement le Slum 404. Création de Kid Xmas, le spammer tire des salves de données qui parasitent et endommagent les sensen de vos adversaires. Faut volonté, mais garder un œil sur la jauge. Okay. C'est mage gauche et bouton sur le gauche. Appuyez sur mage gauche. Ce matin, à 10h47, les sirènes ont retenti à travers toute la ville quand le barrage Saint-Michel s'est soudainement ouvert, libérant les milliards de litres d'eau du lac artificiel Saint-Louis sur le paisible quartier Saint-Michel. Comme vous pouvez le voir sur ces images Sensen, la vague gigantesque a tout emporté sur son passage. Difficile d'estimer l'ampleur de la catastrophe pour l'instant. Faire des vidéos. Okay. Mais les autorités de Néo-Paris rapportent déjà des dizaines de morts et plusieurs centaines de disparus.
De l'autre côté du barrage, le soudain abaissement du niveau d'eau n'a pas été sans conséquence pour les habitants du slum 404. Un quartier réputé pour son agitation sociale. La force Sabre a immédiatement été déployée dans et autour de ce quartier pour prévenir tout risque d'émeute. En effet, l'assèchement du lac Saint-Louis vient de mettre un terme à l'isolement de la forteresse de la Bastille, qui abrite les plus dangereux criminels de Néo-Paris. Restez connectés pour en savoir plus. Ok. J'ai fermé la porte à toutes les erreurs. La vérité restera dehors. Grâce au code que j'ai volé à l'architecte, Edge a provoqué une inondation en sabotant le barrage Saint-Michel. D'après lui, c'était une punition appropriée pour ceux qui ne se soucient pas de leur petit confort. Pourquoi lui ai-je obéi? J'aurais pu quitter la ville. M'inventer une nouvelle vie, ailleurs. Mais j'ai préféré redevenir l'ennemi public numéro un. Était-ce dans ma nature? Avons-nous vraiment vengé les exclus du slum 404? Ou bien vont-ils souffrir davantage par ma faute? Seul un militant croit que la fin justifie les moyens. Edge m'a révélé que ma mémoire avait été conservée dans la forteresse de la Bastille depuis ma condamnation. Il faut que j'y retourne pour la récupérer. Le seul moyen d'entrer à la Bastille est de piller la mémoire de Johnny Grintis, l'habitant le plus mystérieux de Slum 404. Le problème, c'est que personne ne sait vraiment qui il est, ni où il se cache. Eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour l'épisode 3, qui sera donc haute tension, sortie basse. Voilà. Des bisous, et puis à la prochaine.